Comme si tu as dit, viens Seigneur Jésus, et pour tout prêt pour aller. La cantique ça yo, ce sont des cantiques rachetés. Monde qui t'a songé la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, c'est genre des cantiques ça yo. Et pas cantique Seigneur même dans l'ingna. Seigneur, je m'a délivré à papa qui joue la yé, tout ça. Seigneur, sou pas fond bagay pour moi. Seigneur, c'est pas dire un côté le tomber, le tomber. Non, ça aussi sont des cantiques rachetés. Oui, cantiques rachetés. Moi, sous la terre qui au mandat, moi son champion. Oui, moi béni en dehors, moi béni, l'aime dans la ville là, béni. Oui, yo bon. Mais cantiques ça yo. Ce sont des cantiques rachetés, apportés sur les calvaires. T'es paysan fado, là tu trouveras mon frère le repos. C'est moi qui console. Quelle est cette voix? D'où viens-tu? Douce parole, t'es là quoi? N'a pas rappelé nous, n'a pas rappelé nous, genre des cantiques ça yo, waouh!
l'important. À nous camper, il me conduit douce pensée. Repos pour mon âme lassée. Ce sont des cantiques rachetés. Gloire à Dieu. 89. Français chant de l'espérance. Ça n'a pas oublié Mdo. Jésus-Christ, son œuvre continuelle. M'a chanté quand il s'est tout prêt. Pour dire, viens, Seigneur Jésus. Oh.
bon berger, le bon berger, il me conduit. On dit, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Cantique ça, yo. Merci, merci. Cantique ça aussi, ce sont des cantiques rachetés. C'est cantique qui gagne fil là-dedans, qui gagne bon moal là-dedans. Lo a soucé yo, ou a joué une bagaille là-dedans. Soyez m'dab tout à l'heure. Ça, c'est pas Seigneur même dans ligne dans débloquer. Seigneur, même là, sous pas fond bagaille, m'dab tourner encore. Seigneur, il a trié. Ce sont des cantiques rachetés, monde qui sauvé. L'autre même qui avance pour dire oui. Mais dans le pays, il n'y a pas de papier, même papier, il n'y a pas de papier. Bon Dieu, parler à l'immigration pour le bloquer l'immigration. Pour lui. Et la trié. Même nous. N'a dit bon Dieu bloquer immigration pour nous. Par contre ça qui immigration pour nous. Les gars plein petit oui. Les plein petit lit du Seigneur lit stérile. Docteur dit il pas qu'à faire petit Seigneur. Les gars plein petit oui. Plein petit oui. Et donc mais pour diable dans ignorance nous obligés parce que nous sommes peuple qui annexé saisi par à cause de la misère, fait nous chanter tout ça nous joigne. La misère, n'importe ça nous joigne. Ou joigne, même garçon a chanté, a dit madame n'était malade. Même, et alors, même fille a dit, même fille a dit, même jeune garçon qui n'a pas marié. Bon, nous pas notre tripotail. Mais mes amis, m'a dit nous pressa nous tade. Pressa nous. Gloire à Dieu. Alors et à soya comme nous connaissons déjà, nous gagnons semaine de conférence, n'a parlé autour de la dernière semaine Jésus-Christ. Lui-même n'était pas couru avant le mourir. Il était gagné un paquet d'événements, nous était ouais la rentrée triomphale hier et à soya n'a venir avec frère Daniel conférencier nous. Qui a venu qui chargé, qui a venu, bah nous, en pile bagay, concernant événement qui était passé dans le jour lundi, dans le parcours Jésus-Christ, avant l'été monté la croix. En autant de conférenciers, nous, Frère Daniel, ou même, bien posé sans pour prendre sa provision, de préparer pour nous assoyer. Gloire à Dieu. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Non content pour que nous capables à soyez dans cadre manifestation ça chaque année non toujours mettez moment ça à part pour que nous capables savourer ensemble pour nous capables réfléchir ensemble autour de la dernière semaine avant Jésus-Christ de monter la croix. Bon Dieu béni, nous comptons pour que nous soyons capables là. Demandez à l'ingénieur gérer l'instrumental là pour nous, s'il vous plaît. Donc, nous comptons pour que nous soyons capables là pour nous capables poser, puis pas moins dans un bel moment ça. Et nous allons faire un parcours ensemble et espérer que le Seigneur lui ait une grâce assez et il va mettre grâce les disponibles pour nous-mêmes nous attaquer un vaisseau nous attaquer un instrument pour que le Seigneur utilise nous pour permettre à ce que nous sommes capables de continuer arrosé. Amen. Mais celle-ci critique m'a porté pour moi-même,
Et chaque fois que j'ai une chance, m'a toujours dit ça. Pas qu'à venir dans conférence, on pas gain ni bible, on pas gain ni cahier de notes. On dit ben non, hein. Vous connaissez nous pas dire amen dans son ça, c'est le frère Morel c'est nous. Donc sous pas qu'on lit tant que frère de Marin, OK, ça va. Mais sous qu'on lit ou gen bible à la caillou, c'est bible qui a manqué. Ou gen cahier de notes là la caillou, quitte-il. Et l'autre semaine non, c'est vous pour vous retourner à chercher. Il a beau retourner pour aller chercher pour la gloire de Dieu. Tu vois ça? Ah oui, pour la gloire de Dieu. Hola, c'est Marie-Louise. Amen. Donc, nous comptons, frère Mo, pour que nous présents et nous saluer chacun des amis internautes qui ont une chance pour suivre le moment ça et nous saluer de façon très, très spéciale le révérend pasteur Sévenet Timéa à côté de l'UEA. Nous connaissons et moment li alors médecin mandé pour le prendre un petit repos. Et ça fait que présence li pas briller au milieu de nous. Mais nous était quoi côté l'UEA, la paix suivre et lui est toute bagaille pour aller bien au nom de Jésus. Amen. Font-tu fait mes yeux. Saint-Esprit. Réveille, sautine dans vous, commencez dans nous. Touchez l'église. Gardez pour nous, si nous avons reste péché. Nettoyez toute la vie, non, Seigneur. Bonne liberté. Et nous voulons liberté ça dans plusieurs niveaux. Nous voulons liberté ça dans plusieurs étapes. Nous voulons dans l'esprit nous. Nous voulons dans l'âme nous. Et nous voulons dans le corps nous. Nous pas d'accord quel que soit un et dans nous. C'est membre diable qui est non. Nous voulons toute partie dans nous-mêmes, corps, âme avec l'esprit. Réservé, conservé pour moi. Nous pas d'accord en rien dans nous pour diable. Nous pas d'accord en rien dans nous pour diable, Seigneur. Nous pas d'accord pièce œuvre yo grandi dans la fuite nous. Non, nous pas voulez ça. Parce qu'une fois qu'il est présent, ce sont des virus. Yo là pour empêcher de monter. Nous là pour empêcher d'élever. Nous là pour empêcher de monter dans la gloire. Il y a que Père, nous m'avons tant pris. Et de pour nous dans nous, de temps à autre, pendant que nous sommes tous de ça, pour nous continuer à railler toute sève la chair, toute sève Satan, Seigneur. Aidez-nous pour ça. Et pour nous continuer à remettre, la vérité qui sortit dans la parole, pour nous continuer à vivre, parce que c'est eux-mêmes qui ont la vie, c'est eux-mêmes qui ont fait nous la paix, c'est eux-mêmes qui ont fait nous la tranquillité, cela donne nous sentir bien. Seigneur, fais grâce, nous encore nous sommes réunis à 7 heures. Dans le ministère de l'enseignement, il y a des hommes et des femmes qui disposent, il y a éternel notre Dieu côté Oya, à l'extérieur, à distanciel, il y a une Bible, il y a un cahier de notes dans la main, parce que Seigneur, nous avons un parcours qui nous va faire soi. Et nous étions quoi? Avec force, la chaîne pas capable. Ça fait peine d'accord mettre la chaîne de côté. Alléluia. Et encore assuré. Même j'ai été utilisé, frère Maxen, hier, dans la matinée. Et au soir également. Et moi, j'ai croyé, Seigneur, il y a une grâce qui est toujours disponible. Et bien, que grâce est disponible pour moi, assuré. Dans les puissants noms de Jésus-Christ.
Seigneur, fais grâce que parole ou fait chemin, que parole ou fait route dans la vie, non. Qu'il continue à agir, qu'il continue à faire grâce dans les puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis tout peuple, yo qui réunit ici, yo qui réunit ou bien à l'extérieur, ça qui prend une chance pour suivre moment ça. Bénis yo, mais tu relâches grâce comme d'homme, relâche onction comme d'homme, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est la prière que nous t'adressons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Criez Amen. Disons Amen. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés, même si nous connaissons déjà, et semaine ça nous réunis autour de. Pour que nous parlions d'une série d'événements. Et ces dernières semaines, Jésus-Christ, avant de monter la croix, même Jean, Frère Maxime, t'a clarifié hier, c'est pas dernière semaine ni en haut la terre. Alors, c'est pas dernière semaine ni en haut la terre, mais c'était dernière semaine avant de monter la croix. Bon Dieu béni. Et nous sommes réunis autour d'une table pour nous ensemble réfléchir. Alléluia. Sur quelques éléments qui sont vraiment importants pour qui ça? Pour marche chrétienne, non. Pour conduite, non. Pour avancement, non. Dans le chemin de l'évangile, là. Bon Dieu béni. Assoya, et c'est vrai, nous avons une chance pour nous considérer plusieurs textes. Même un texte de façon spéciale, c'est l'imbra li, et c'est lui qui va le faire clôture. Et Braldo, au commencement, on pas arriver comprendre pour qui ça, mais à la fin, on va le pour qui ça. Moi te ouais. Et texte ça. Et juste avant qu'il m'aille plus loin, m'blé dou que pas comme non astro elle va tourner ou bien elle va contourner autour de sujet ça. Autour de thème ça qui c'est la vraie adoration. Bon Dieu béni. Qui ça me dit? La vraie adoration. Pas quoi que je vais avoir une chance, frère. C'est événement qui est passé. Dans le jour lundi. Donc, oui, comme thème, d'après recherche, d'après ça, les Seigneurs t'ont communiqué dans la préparation. Donc, nous, venons par dire, ou ma assoya, la vraie adoration. Et nous allons finir pour nous dire tout à l'heure, la vraie adoration doit être fondée sur quoi? Et nous allons voir à travers deux parcours, bien deux événements centrés, c'est-à-dire deux événements fondamentaux qui étaient passés dans le jour lundi, mais deux événements primaires qui étaient passés dans le jour lundi, et vous allez être capable de tirer, c'est ce qu'on appelle vrai, la vraie adoration. Bon Dieu béni. Hein? Hier, avec collaborateur nous, Frère Maxime, nous avons une chance. Ouais, hier dans la matinée, l'entrée triomphale de Jésus-Christ. Qui côté l'église là? À Jérusalem. À Jérusalem. Donc, nous avons un roi qui t'a entré. Et nous avons un moyen qu'il a utilisé pour l'entrée. C'est un petit bruit quand même. Qui est le symbole de paix. Amen d'église là. C'est symbole de paix. Et dans le nom de Jésus-Christ, que paix ça régner sur la vie. Que paix ça régner. Que la paix règne sur votre vie. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. On crie Alléluia. Et en plus, oui, non. Donc dans la soirée, on pensait que continuer à savourer ensemble. La gloire et la mort de Jésus-Christ, c'est événement qui est passé également dans jour et dimanche là. Mais après ça, yo, la Bible explique nous en Marc, en chapitre 11, le verset 11, Jésus est de retour. Qui côté habita? À Bethany. C'est là que le tal prend tir pour être capable de passer nuit là. On est avec moi dans Jean, chapitre 4.
le verset 23 et verset 24. Jean chapitre 4. Même j'aime te dire. Donc, c'est dans la finalité. Alors, dans la finalité enseignement de Nasroya, on va voir pour qui ça que je t'ai utilisé. Texte et pas oublier moi, parler de thème. Thème que je gagne pour me contourner, pas comme Nasroya. Il parle de la vraie adoration. Bon Dieu béni. La parole de Dieu nous dit en Jean chapitre 1, alors chapitre 4, le verset 23 et verset 24. Mais l'heure est vient. Ou bien, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Mais bien aimé, premier événement, et la Bible explique que nous, pas oublier, dans la soirée dimanche là, après tout événement qui est passé, Jésus-Christ est de retour du côté à Bethany. Et puis dans lundi matin, de très tôt, Jésus-Christ se route donc pour que lui entre encore également du côté à Jérusalem. Donc, texte n'a pas considéré pour nous-mêmes, ou bien premier événement qui n'a pas été marqué dans le jour lundi, ça, c'est la malédiction du figuier. Puis nous avons déjà connu, c'est malédiction du figuier. Alléluia. Malédiction du figuier, texte à considérer, c'est Marc 11, verset 12 à 14. Est-ce que là? Marc 11, verset 12 à 14. Et nous gagnons également Matthieu 21, verset 18 à 19. Mais n'apprend Matthieu 21, n'appelez-le pour moi-même. Ou capable toujours conserver Marc en chapitre 11, verset 12, ou venant verset 14. Amen. Amen. Marc, alors, Matthieu chapitre 21, verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Bon Dieu béni, hein? Alléluia. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Dans le verset 19, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fût né naisse de toi. Et à l'instant, les figuiers s'échappent. Notamment li Marc là, parce que Gombaré qui voulait attirer attention dans Marc là. Le lendemain, c'est-à-dire Marc 11, après qu'il fut sorti de Bethanie, Jésus eut faim, apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles. Il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, la parole de Dieu nous dit, il ne trouva que de feuilles. Mais précision que Marc Potéan et l'évangile Léa pour le dire, car ce n'était pas la saison des figues. Amen. Car ce n'était pas la saison des figues. Nous prenons le soin rapidement pour nous faire une réflexion ensemble. Mais bien aimé, même je nous sommes là, la Bible nous dit que après événement passé, dans dimanche là, Jésus-Christ était de retour qui côté à Bethany. Et le lendemain, c'est-à-dire dans lundi matin de très tôt, Jésus-Christ donc l'a de retour donc en ville, c'est-à-dire à Jérusalem. Bon Dieu bénisse l'église là. La parole de Dieu dit
En Marc chapitre 11, verset 12. Et Matthieu chapitre 21. Je dis pendant Jésus a approché. Dans Matin Bonnel, tu es grand. Amen. Mais, grand goût ça, Jésus te grand goût. Il est capable sous plusieurs formes. Mais physiquement, est-ce que c'est ton grand goût physique? Bon Dieu, bénis l'église là. Oui, il est capable ça. Pour qui ça me dit capable ça? C'est parce que Christ est en haut la terre. Parce que texte a chanté, il dit, l'heure sous la terre, où tu es grand goût, attente tout, et qu'on s'acquit dans quel est l'homme. Parce que, pas oublier, Jésus-Christ, il était 100% Dieu et il était 100% homme. Amen, l'église là. L'improbable. Mais, gon portée spirituelle. C'est-à-dire, l'improbable pour gon portée physique dans ce texte. Ou bien grand goût ça. Mais le probable également pour gon portée de façon spirituelle. Amen, l'église là. Parce que le figuier ici, lui, c'est symbole, le peuple d'Israël. Pas oublier hier, frère Morel, pendant Jésus-Christ sur route pour entrer qui côté à Jérusalem, comment le peuple a accueilli? Amen, l'église là. Comment le peuple a dit, Hosanna, béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur. Et Jésus-Christ, après événement ça, pendant la reposer dans. Dans dimanche soir et puis le lundi matin le grand goût. Libre aller c'est ouais dans peuple ça qui t'a crié dimanche matin frère pas non béni soit celui qui vient au nom du Seigneur est-ce qu'elle ca je non bagarre la caille. Bon Dieu béni non est-ce que là est-ce qu'on là avec moi. L'Éternel a avancé, l'Éternel a approché pour ouais peuple ça t'a crié t'a tant bagarre à terre béni soit celui qui vient béni soit celui qui vient. Est-ce que les poils jouent dans la gare? La gare. Parce que, pas oublier, le figuier ici, il symbolise qui? Le peuple d'Israël. Quand il y a là, nous pouvons aller rapide. Et lorsque Jésus-Christ approchait, Jésus-Christ constatait que les paroles fuient dans la figue là. Amen. Et rapidement, Matthieu rapporté. Il dit que jamais, mon pape chambre manger dans nous encore. Jésus-Christ maudit pied fil là. Mais, en réfléchissant avec moi, Marc dit un bagaille là, Marc pour ton précision. Bon Dieu bénit l'église là. Dans la précision, Marc pour te, Marc dit, car ce n'était pas la saison des filles. Nous allons essayer de comprendre. Bon, si Marc dit, nous allons essayer de comprendre. C'est comme tu as dit, mettre là injuste, frère Morel. Est-ce que nous là avec moi, mes bien-aimés? C'est comme si nous avons dit, frère Bernard, mettre là injuste. Si ce n'est pas saison figue, alléluia. Si ce n'est pas saison figue, mettre là approcher par une figue. C'est tout normal pour avoir une figue. Mais en réalité, mon Dieu bénit l'église là. En réalité, au Palestine, ou doit connaître. Et ça qui fait, ouais, la Bible, pour interpréter la Bible, faudrait-il bien, premièrement, ou gagner, alors, il doit avoir une nécessité spirituelle, mais une nécessité intellectuelle. Tout. Amen, l'église là. Tous les deux doivent faire poids dans la balance là, pour être capable d'interpréter la Bible là comme ça doit. Parce que il y a des bagailles, il faut qu'on tourne dans le temps. Pour qu'on ait comment ça te yé. Amen l'église là. Amen l'église mon Dieu. Parce que époque, Jésus a avec époque pas nous. À 7 heures, ou bien dans le moment qu'il a parlé là, c'est deux bagailles différentes. Dans le moment, apôtre Pierre t'a vivre, apôtre Paul avec époque pas nous, c'est deux bagailles différentes. Exactement, l'important, lorsque nous avons manqué la Bible là, et puis pour nous appliquer, elle n'entend pas nous aujourd'hui là. Il m'a donné plus de sagesse, il m'a donné plus de grâce. Amen l'église, mon Dieu. Mon Dieu bénir. Nous sommes obligés d'aller au Palestine pour nous connaître comment ça a été. D'après les recherches qui ont été faites, mes bien-aimés,
Yo dit que pas oublier Mac dit là, c'est pas de saison des figues. Mais il pas de saison figue. Nous t'a dit que mettre la l'injuste. Comment faire c'est pas de saison figue mettre la libodi. Il dit que jamais mon pape chante manger dans nous encore. Nous parler rapide. Alléluia. Yo dit non. En Palestine, mes bien-aimés, figue yo, pied figue France yo. Yo kon produit nan mars. Amen. Yon récolte, c'est-à-dire yon ti bagay. Yo rele récolte ça yon récolte prématuré. Est-ce qu'on a l'église là? Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Et yo expliqué moun qu'on a marché, c'est-à-dire moun k'a passé, les passants, yo kon joine ti fui. Même si c'est pas de saison, hein, mais pied fixe France là, s'il pas stérile. Amen, l'église là. Bon Dieu béni. C'est comme si je me sentais pour me dire on a soi. Bon Dieu, pas besoin plus long des fois dans mon. Amen, l'église là. En plus, le Seigneur vient là, quand il vient chercher un petit bagaille, des fois il n'a pas besoin plus long, il a besoin de effort seulement. Mais il semblerait que, malgré tout effort, malgré tout le temps dans l'évangile là, on va régler rien sérieux. Bon Dieu bénis l'église là. Tendez bien, tendez bien. Yo dit nous que pied figue là en Palestine, yo te kon produit en mars, dans mois de mars, dans mois que nous y là, de petits bourgeons comestibles suivis au début du mois d'avril. Et c'est ça qui va le permettre à ce que pour le gagner, c'est comme si m'ta dit frère Morel, nan tant que nous y aujourd'hui, nous kon mango, par exemple, nous kon wèk mango yo pendant au pral donner. Ou est-ce qu'on s'est dit mango colique? On dit bien nous l'église là. Contre temps, merci serviteur. Donc, il y a un petit bagage, mais c'est pour qu'on vrai donne dans ça. Mais depuis ça à présent, c'est-à-dire bon bagage là-dedans quand même. Mon Dieu bénis nous l'église là. Ah, je sens l'éternel à chercher un petit crasse, même s'il n'est pas en pile. Parce que des fois, un petit crasse, c'est signe qui montre ou bien volonté. Amen. Mon Dieu bénis nous l'église là. De vous qu'on tire grâce et signe qui montre qu'on a volonté. Ouvrez by don. Ouvrez by fui. C'est-à-dire, dans l'évangile là, pendant qu'il y a plusieurs amis qui attendent qui réunissent là, qui sont capables de faire plusieurs groupes dans l'évangile là. Il y a certainement vrai frère Morel, livre aller. Ah, mon Dieu bénis nous l'église là. Livre aller, serviteur. Mais il y a un monde, il n'y a pas de rien, Seigneur. Mais il faut que je l'ouvre pour être capable de détecter. Bon Dieu, bénis-nous l'église là. Bon Dieu, bénis-nous l'église là. Pas oublier Mdoula. Et, oh, ok, pied figlant te symbolisait le peuple d'Israël. Mais qu'on y a là, c'est l'église là qui a parlé. C'est l'église là qui est en œuvre. C'est pas ça? Nous n'avons dispensation de grâce là. Qu'on y a là, qui ça? Qui le sont bien pour nous là. Bon Dieu béni ou bien aimé. Pas oublier nous dire que fruit ça, l'été un fruit habituel que paysans yon dans la région, dès qu'on a passé et puis on prend. Et depuis lors, yon constate quand même s'il faut qu'on gagne pile, même s'il faut qu'on baille bon fruit, c'est-à-dire qu'on a espoir quand même. Bon Dieu béni ou l'église. Mais lorsque Jésus-Christ l'y avancé, l'y trouvé que de faire. Pas oublier m'était tout à l'heure. C'est comme si m'étais senti mettre la li indien. Pour acclamation t'a recevoir hier, pas ça frère Morel. C'est-à-dire pour gens t'a réuni par exemple hier là. Nous te voyons comme adoratrice sur Maxine, t'as pas d'orieux. Mais en l'air, mais en l'air. Et puis après adoration, Jésus-Christ t'a passé côté. Et pas venant rien, frère. Mon Dieu bénis l'église là. Et pas venant rien. Mais bien, pas oublié dans le jour passé, l'enseignement dominical que m'a fait. Moi, t'as parlé dans Jean chapitre 15. C'est pas ça? Jean chapitre 15.
le vrai cep. Texte l'a dit, frère Morel. Toute branche qui n'en manque pas d'en est, en vérité, pas pour occuper place pour grand messie. Mon Dieu bénit l'église là. C'est vrai, salut sans chanter. Il dit, mettez la patte fine pour le condamner. Il prend patience avec moi. Sous que Yosou, rivé. Est-ce qu'on a l'église là? C'est-à-dire, me sentir pour me dire à soi. Patience qu'il faut, de pour vouloir. Je vais montrer ça. Apôtre Paul montre ça. Apôtre Paul encourage le peuple Thessalonique là. Pour dire, c'est pour nous prendre patience à tout le monde. Il dit, relève ça qu'a fait des monde qui a fait Paris. Encouragez ça qui ont dit en fret. Il dit, on prend patience à tout le monde. C'est-à-dire, de pour vouloir, de pour une décision, de pour une détermination pour changer l'éternel, il est d'accord pour prendre patience avant. Mais en vérité, même j'ai dit tout à l'heure, il y a des monde place qui est assez pour grand messie et pas trop longtemps. Malédiction a privé sur le mal. D'après recherche qui a été faite, frère Morel, il dit que c'est le seul miracle que la Bible rapporte non que Jésus fait au lieu de bénir ses maudits, le maudit. Bon Dieu bénit l'église là, oui. Parce que rapidement que mettre la palais, disciples ont observé certainement pieds figues la sèche. En crie alléluia. Oui. C'est le seul miracle qui nous soit rapporté où Jésus maudit au lieu de le bénir. Où il détruit une vie au lieu pour le restaurer. C'est ça que le psalmiste dit, soupe aller. Ben moi, mais sous pas les amis, pas marrer pire. Parce que mon objectif, mon détermination. Et pas oublier, m'a répété encore pour moi-même. Dieu a une attente de chacun de nous. Bon Dieu béni l'église. Bon Dieu a une attente de chacun de nous. Chaque nom qui est là. Parce que pas venir l'église pour après, il a fait part. Pour un tel pas le fin, ou est-ce que un tel pas le travail pour vous-même ou à garder sous l'eau, pas le travail tout. Non, frère. A dit, vous le comprenez. Frère, tel qui rend compte pas pour le bail l'éternel. Et vous-même également. Bon Dieu bénir. Bon Dieu bénir. C'est le miracle. Jésus-Christ, au lieu pour le bénir, les maudits, frère Moré. Au lieu pour le restaurer, il détruit cette image. Travail, attendez, mes bien-aimés. Là, même si je me tape dit à l'heure, ça qui est belle, ça qui est important dans le texte là, et nous prenons ça à l'heure, l'aime parler de vraie adoration. Hein? Vraie adoration, premier bagage, nous venons comprendre vraiment à travers le texte là, c'est ça qui est intelligent, chapitre 4 là. L'idée est sincère, frère Nilgeïs. L'idée est honnête. Parce que pile fois, nous réunis, adoration, même je ne t'ai dit, il n'y a pas dépassé toi là. Parce que frère Lucien, bon Dieu, ouais, mon t'a porté offrande avant offrande. Bon Dieu, bénis nous l'église, mon Dieu. Bon Dieu, ouais, mon t'a porté offrande avant offrande. Et ça te fait, Paul a dit. Lève où les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vue. Et tôt ou tard, tout le monde qui souffre mal, ça découvre tôt ou tard. Parce que la parole de Dieu nous dit, mais non, non, lié avec la haine, amen. Amen, l'église, bon Dieu. Mais avec la haine, amen. La fonne, tout paille au bras le tout. Ou ta. C'est que ouais, quel que soit le monde qui est dans l'évangile là, pas goma. Si sous ça, le temps, avec le temps, frère vérité avec le temps, bon, t'as dit, le temps révèle la vraie nature de l'homme. C'est-à-dire avec le temps, on finit par comprendre, est-ce que nous sommes serviteurs vrais? Avec le temps, il a fini par comprendre, sœur Osna, est-ce que nous sommes servantes vrais? Parce que le temps pas manqué. Dieu bénit l'église, mon Dieu. Bah, yon peu lui là, bon courir. Bon Dieu béni, on m'a bien aimé.
Et certainement, li gon porté eschatologique là. Bon Dieu béni ou. Bon Dieu béni ou. Li gon porté eschatologique. Côté, pas oublier, nous dit que le peuple d'Israël ici, li c'est alors figuier ici c'est symbole le peuple d'Israël. Et Jésus-Christ, les prononce son bagage sur figuier. Amen. Et rapidement, ça j'ai cru prononcer, parole l'a fait effet. Amen. Amen. Et ça fait, mon papa allait comme ça, bon Dieu béni. Il la puissance, qu'est-ce qu'on appelle la puissance de la parole. Même gens yo apprendre pour dire c'est pas toute bagarre au prononcer sur petit tout parce que ça au prononcer la fait effet. En tout cas, en avance rapide. Mais une bagarre que nous voulons constater également dans Matthieu chapitre 21 hein, après ça c'est même bagarre là Jésus alors les disciples qui visaient là furent étonnés. Les disciples étaient étonnés parce que rapidement à l'instant même, non clin d'œil, monsieur étonné et on dit que comment ces figuiers est-il devenu sec en un instant? Et puis Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier. Bon Dieu béni, oui. Mais également, n'a dit avec cette montagne. Alléluia. Ou qu'a utilisé le pouvoir de la déclaration. Et d'ailleurs, ou qu'a une montagne qui est en face de là, l'éternel bon autorité pour parler avec elle. Au toi de là. Il doit obéir sur la foi. Bon Dieu bénit l'église là. Bon Dieu bénit. Sur la foi. Qu'on y a là. Bon, je voulais fermer ça là pour me finir. Je voulais fermer. Pour me finir avec la malédiction du figuier pour asseoir. Parce que les bagailles ont pile, mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas prendre tout. Mais c'est quelques considérations. Basé à la vraie vérité. Il y a une bagaille qui est importante. Pour figuer la lui-même, l'hypothèse fuit. Faudrait-il bien qu'on côté raciné toujours plonger? Amen, l'église là. Amen, l'église là. Racine doit toujours bon côté le plonger. A dit racine doit toujours plonger dans l'eau. Et mes chrétiens également pour toujours être frais. Pour toujours être malgré les durs moments. Malgré les vents contraires de la vie. Pour toujours être frais, faut que racine nous toujours dans l'eau de la parole. Il faut qu'on toujours de la prière. Mais bien aimé, on travaille, on travaille pour avancer. On crie alléluia. Pas oublier, nous sommes là, portée, premier portée que nous sommes là. C'est-à-dire, même je t'ai dit, la vraie adoration doit être en fond de sur quoi? Il doit être fondé sur la sur un cœur sincère, sur la sincérité. Parce que plus fois, c'est forme seulement, c'est gros fait, c'est pile fait. Mais hein, nous ne parlons que sincère, nous pas honnête. Et pas oublier, la Bible a dit certes, personne ne monde, pas parce que tu as une bêtise, ou pas qu'à tromper, mon Dieu. Ça, au monde s'y met, ou à récolter. Il y a des gens qui pensent par exemple, soit pasteur Sébène Powell, et frère tel Powell, membre comité à Powell, les gens font ça le blé. Dégageons. Oh, frère, moi. Et je ne dis pas, en plus, nous toujours dit, oh, bon Dieu, pas parler. Bon Dieu, pas parler. Mm-hmm. Parce que le temps ancien avec le temps nouveau, c'est deux temps différents. Parce que, à l'instant même, sous le temps de la loi, il y a des bagages au fait rapidement. Rapidement, sentence sur tout de là. Mais
Moun kap dit ça, c'est moun qui parle la parole de Dieu. Mais tout le monde qui est dans la Bible, à travers la lumière de la parole de Dieu, tout sont parfait, tout sont fait qui contraire à sa parole, bon Dieu a demandé, sans tout déjà à travers la lumière de parole, bon Dieu. C'est-à-dire, ou quand bon Dieu pas parler, mais et pourtant, bon Dieu parlait déjà dans la parole. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous fermons ça là. C'est le premier événement. Pas oublier l'adoration qui nous a offert. Nous devons chiter son cœur qui est sincère. Yon ke honnête. Amen. Yon ke honnête. Alléluia. Au Saint-Esprit. Et deuxième événement, nous allons rapide pour nous finir. C'est la purification du temple. Amen, église là. La purification du temple. Pas oublier, sinon, c'est malédiction figurée. Hein? Et malédiction fille à notre qui symbolise Israël. C'est-à-dire, toute acclamation que tu as potée à serviteur, c'est fait seulement. Pas de gombaga au profond. Parce que nous allons annoter que c'est même mon sang qui parle de crucifier. Dieu bénit nous l'église là. Tu es crucifié. Crucifié. La purification du temple. On va ça dans Marc chapitre 11, versets 15 à 18. On va ça encore dans Luc 19, versets 45 à 48. On va ça dans Matthieu chapitre 21, versets 12 à 16. Et on va joindre également dans Jean chapitre 2, versets 13 à 22. Bon Dieu béni. Gloire à Dieu. Dans Matthieu chapitre 21, pendant que Matthieu a tout lu dans le texte Matthieu 12 à 16. Jésus entra dans le temple des dieux. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple et il les guérit. N'a pas campé là. Bon, l'autre bagaille qu'on voulait attirer attention dans Jean chapitre 2. Et vous devez prendre note sur ça, c'est très très important. Dans Jean chapitre 2, la parole de Dieu dit, par exemple, si vous prenez verset 12 là, après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il n'y demeurait que peu de jours. Dans le verset 13, pour nous comprendre le contexte là, il nous dit la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Bon Dieu bénit l'église là. Mais bien aimé, la purification du temple. Jésus purifia le temple à deux reprises. C'est-à-dire purification du temple là, c'est en deux temps qu'il fait. Bon Dieu bénit l'église là. Bon Dieu bénit l'église là. Purification du temple. Li fait en deux temps. Premier temps, ce Marie-Lourdes, li fait dans le commencement ministère Jésus-Christ. Qu'on bagaille nous doit comprendre là. Qu'on bagaille qu'on doit comprendre là. Et deuxième purification fait dans achèvement les ministères Jésus-Christ a achevé ministère public li. Ah. Bon Dieu bénit l'église là. Ça que Marc Luc, Matthieu rapporté, hein? C'est-à-dire c'est purification qui fait dans achèvement ministère public
de Jésus-Christ. Bon Dieu, mais dans l'église là. Sa frère Jean, apôtre Jean, lui rapporté là en Jean chapitre 2, sa fête dans le commencement ministère public de Jésus-Christ. Combat il doit connaître là. Amen l'église là. Combat il doit connaître là. Me songe nous apprendre parole ça qui dit c'est mon bon Dieu créer les affaires mon Dieu. Amen. Mais bien-aimés, nous connaissons que dans ça qui est le ministère, même j'aime ça dire c'est mon bon Dieu qui règle les affaires mon Dieu, c'est-à-dire faut qu'on propre. Amen l'église là. Faut qu'on propre. Faut qu'on nettoie. Il faut qu'on purifie. Ça que même Jean-François Abdou après dans commencement ministère, il commencer en prière et jusqu'à ce que mettre la mourir, il mourir en priant. Mon Dieu bénis nous l'église là. Même les deux comme ça tout à soi là. Jésus-Christ en commençant son ministère public, il commençait dans la sanctification. Amen l'église là. Il commençait dans la pureté, dans la purification. Il a achevé le ministère public également. Il a achevé de la sanctification, de la purification. On crie Alléluia. Quand on nous prend ça, on nous fait quelques analyses autour des textes là. Il dit que Esaïe, alors dans Esaïe 56, verset 7 et Jérémie 7, verset 11, vous êtes capable. Prend note ça yo pour marquer au capable lire yo. Yo dit pendant qu'il t'a chassé monde ça qui t'a vendre dans temple là. Et Marc lui-même lui a ajouté que même acheteur yo également, c'est pas monde qui t'a vendre seulement. Gen monde qui t'a vendre, gen monde qui t'a, c'est-à-dire c'est trois catégories monde. Gen monde qui t'a vendre, gen monde qui t'a acheté et gen monde qui t'a changé. Amen l'église là. Tout le monde sait Jésus-Christ est chassé tout. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 11, verset 15-16, ainsi même ça qui t'est trouvé dans la cour temple pour effectuer des transactions commerciales, yo tout joine pas auto. Amen l'église là. Pour là on prend sans nous. Pour qui ça t'a changé l'argent dans temple là? Parce que dans la fête juif ou bien fête Pâques là, peuple a tap sorti non un peu partout. Est-ce que nous là? Un peu partout. Gen moun côté a sorti assez tellement éloigné vraiment, yo obligé c'est dans espace là ou bien c'est à Jérusalem pour venir acheter ça yo doit acheter pour capable offrir. Amen l'église là. Nous parlons l'autre réalité. Qui s'est passé? Tendez bien. On changeait l'argent. Pour qui ça? C'est parce que dans l'époque, ça, yo pas accepté dans le temple là qu'une seule sorte de monnaie. Son seul type de monnaie qui ont été accepté dans le temple là. Tendez bien, oui? Mais bien aimé. Et pour moi également, quand vient acheter des animaux pour faire sacrifice là. Mais bien aimé, les chefs religieux, ils ont fait ça en profit, non seulement ils ont acheté et ils ont vendu les animaux pour sacrifice. Parce que ils ont toujours une chance qu'ils ont une possibilité. Comme quand je pense, et tous les amis peut-être, je pense, et dans l'époque, pas nous, ou après, par exemple, les témoins de Jéhovah vont faire quelques congrès. Et pour un bon marchand, je vais vous dire que vous avez tout profité, vous avez tout profité, vous avez tout allié. Vous avez tout profité, vous avez tout bagaille, vous avez profité. C'est-à-dire, chef religieux, vous avez tout bagaille, vous avez profité. Et je ne sais pas ce que je vais faire dans la réflexion de la portée. Chaque religieux n'est pas trop propre assez. Bon Dieu, bénis-nous l'église là. Bon Dieu béni. Parce que vraiment, depuis qu'on n'a pas trop bon passé, on s'est encore bien coupé quand même. Il va vous faire vérité. On a bien coupé quand même. Parce que quel chef religieux pas trop propre?
Parce que si vous êtes propre, vous n'avez pas fait tant mettre là, tant bon Dieu là. Tournez ça, vous faites le tourner là. On avance. Nous apprenons que, par exemple, si nous avons tourné dans l'ancien temps, parce que bah, ils sont suivants, ils n'ont pas couru parce que nous n'avons pas bien assez de temps pour nous essayer de comprendre le temps. Alors, pour nous tourner dans l'Ancien Testament, pour nous voir le temple, le lieu saint, le lieu très saint, le parvis, etc. Mon Dieu béni. Mais son survol rapidement pour que nous capables d'avancer. Mais nous avons à ce que dans l'explication que nous avons pour comprendre. Je dis, pas de pièce païen qui est capable d'aller au-delà du parvis extérieur. Pas de pièce païen. C'est-à-dire, païen, on a parlé là, les Grecs, les Romains, etc. Mais bien aimé, c'est là que, il dit non, le souverain sacrificateur Caïphe, il était autorisé, il a marché pour que il vende des articles rituels plus nécessaires pour le sacrifice dans le temple. Par exemple, article ça aussi, tu as divin, tu as l'huile, tu as sel, tu as animaux et tu as oiseaux approuvés. C'est-à-dire oiseaux qui étaient là pour t'offrir sacrifice. Par exemple, dans le type des oiseaux, nous avons des oiseaux. Donc, tu as des pigeons, et pas ça? Tu as quelques béliers. T'as gagné quelque chose autour, et pas ça? Bon Dieu béni. Qu'on y a là, qui l'a jeté en circulation? Parce que texte à apprendre nous là, il a changé tout. Et pas oublier, à Jérusalem, t'as gagné l'argent qui a été accepté à Jérusalem. C'est-à-dire, mon cap sorti dans l'autre contrée, faudrait-il bien leur revenir, puis être capable d'acheter, faut changer comme là. Bon Dieu béni, l'église là. Il dit l'argent qui t'a circulé dans l'époque ça, c'était l'argent qui t'est provenu. Alors l'argent ça a été sorti dans trois sources différentes. T'as l'argent impérial, mon cap prend notre yo. L'argent impérial c'était l'argent romain yo. Amen. L'argent impérial, l'argent ça a été l'argent romain yo. T'as l'argent provincial, c'était l'argent grec yo. Et tu as l'argent local qui c'était l'argent juif. Yo. Bon Dieu bénit l'église là. C'est trois. Tu as l'argent qui t'a circulé dans l'époque, ça a été sorti dans trois sources. Moi dis là, c'est l'argent impérial qui était sorti dans le peuple romain, côté romain. Tu as l'argent provincial qui était sorti, qui côté grec. Et tu as l'argent local qui est sorti juif. Dans juif. Il dit non, changez l'argent. Yo, yo t'a fourni monnaie turienne, c'est-à-dire qui vient de la Turquie. Et il échangeait contre la monnaie grecque ou romaine. C'est-à-dire, il t'a changé comme là dans le grec ou bien dans le corps romaine. Parce que c'est comme ça que tu es en circulation dans l'époque là. Bon Dieu bénit l'église là. Pour y aller, on comprend bien. Dans l'histoire, c'est-à-dire dans la recherche qu'a fait, parce que ça m'a dit là, la Bible n'a pas rapporté ça. Yo. Est-ce que là? Mais c'est la recherche qu'a fait dans le temps pour capable de comprendre qui ça que t'as passé. Qui ça que t'as fait? Pour qui raison? Et puis la Bible nous dit que le lieu du culte a été transformé. Lieu côté pour y'a venir adorer. Bon Dieu bénit l'église là, oui. Lieu côté. Puis il vient adorer, il vient transformer dans le marché. Et non seulement il transforme dans le marché, est-ce qu'il était dans bon règle? Non. Il n'y a pas de règle honnête, mais c'était dans une règle malhonnête. Bon Dieu bénit l'église là. Et non seulement ça, ça vient devenir un obstacle. Bon Dieu bénit l'église là. Ça devait devenir un obstacle pour ça qui te voulait, ça pour ça qui te voulait rendre un culte sincère, un culte agréable à Dieu. Parce que dis-moi ça, les frères, moi, ou pas capable de troubler, ou pas capable d'un obstacle, parce que à chaque fois que tu as venu pour ta passion, tu es en temps et puis là, c'est l'argent qui a changé, c'est bœuf qui a vendu, est-ce que là, Brun, etc. T'as dit bien, oui?
premièrement, premier bagage à souligner, c'est parce que lieu culte là, côté pour mon Dieu, vient passer du temps avec mon Dieu. Il vient transformer en marché. Et non seulement vient transformer au marché en marché, mais en règle de façon malhonnête. C'est-à-dire pas bagage sérieux même qu'après là. C'est pour mon y a coupé là. Et deuxième bagage, il y a un obstacle qui présenté. Obstacle qui présenté, hein? C'est parce que lorsque tu as de gain monde, lorsque tu as venu pour capable passer 10 temps avec l'Éternel, tu voulais rendre un culte à Dieu, tu es obligé de bloquer un obstacle. Qu'on y a là? C'est-à-dire, c'est historicité. Qu'on y a qui ça ou bien? Qui le sent? Ça a pour nous, je vous dis. Amen, l'église là. La Bible dit, en Corinthiens, pas oublier que Cornon lit ses temples Saint-Esprit. Amen, l'église là. Nous chantons pour nous dire, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartient plus. Pas oublier, je pense que tout le monde est capable de comprendre là. Pour qui ça me parle de la vraie adoration, ce thème qui a contourné des événements. Parce que là, dans le premier élément, c'est-à-dire le premier événement passé, nous sommes là, adoration doit chita son cœur qui est sincère, son cœur qui est honnête. Et là, deuxième bagaille, nous prenons dans la purification du temple, adoration doit chita son vie de piété, son vie propre. Amen, l'église là. Kounya là, on prend sans nous. Même si on t'a dit tout à l'heure, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour, leur éclat, ils sont à toi, Jésus. Bah, appartient pour toi. C'est ça? Bah, appartient pour toi encore. Kounya, si bah, appartient moi-même, comme living stop Saint-Esprit là, c'est-à-dire top Saint-Esprit là, c'est là l'Esprit bon Dieu l'y habite. Amen, l'église mon Dieu. C'est là l'Esprit bon Dieu l'y habite. Qu'on y a là, on prend ça, non? Parce que tout le monde. Alors, c'est ça qui fait, moi, je prends le soin pour me faire tirer chez ça. Qui est-ce qui a adoré? Est-ce que c'est tout le monde qui a adoré? Jamais. Parce que pour adorer, rapidement, m'a couru bon quelques éléments. Pour adorer, il y a trois bagailles qui doivent être présents. Il y a trois bagailles où doit vivre, où doit répondre avec eux. Qui ça y est? Premièrement, pour adorer, il faut qu'on rachète. Bon Dieu bénit l'église là. Donc, d'après Exode 15, verset 1 à 21, et Somme 107, verset 1, verset 2. C'est-à-dire, pour adorer, il faut racheter. Ça veut dire racheter. C'est-à-dire, même Jean parle là, prenons dans 1 Corinthiens chapitre 6 là. Vous êtes racheté à un grand prix. Glorifie donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Bon Dieu bénit l'église. Bon Dieu bénit. C'est-à-dire, ou pas pour diable encore, ou pas pour démon encore, mais on appartient à l'Éternel. Même Jean dit, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartient plus. Kounya là, sous pas appartient, qui ça peut rendre? On prend ça, oui? Sous pas appartient, qui ça peut permettre à ce qu'on pas appartient avec elle-même encore, ou appartient à l'Éternel? Faudrait-il bien ou gagne soi à soi-même? Bon Dieu bénit l'église. Faut qu'on gagne soi. Parce que tout le monde qui n'a pas de sauce, il n'a pas pour bon Dieu. Et de ou pas de sauce, il n'a pas qu'à adorer. Parce que qui ça? L'autre pour un sauce scellé, par exemple, pour un sauce, c'est la Bible. Ou bien, si la Bible lui appartient avec le ministère de l'église Nazaréen, Dieu me prend un sauce, l'église a mis sous lui. C'est-à-dire, Bible, depuis que je me parle, je n'ai pas écrit depuis que je me dis, ah, Bible, ça c'est pour le ministère. Bon Dieu, bien nous, l'église là. Ben, le Saint-Esprit, c'est un sauce. Que bon Dieu est metté sur nous. C'est-à-dire, qui voulait dire que nous appartiennent à l'Éternel. Nous appartiennent à Dieu. C'est-à-dire, pour adorer, il faut être racheté. Et deuxièmement, pour adorer, il faut être purifié.
C'est-à-dire, pour adorer, il faut rester. Et deuxièmement, pour adorer, pour faut purifier. Bon Dieu béni ou l'église. La purification. Et ça fait, je comprends, frère Jean, qui dit, frère Mo, l'heure vient où elle est déjà venue pour les vrais adorateurs. S'il parle de vrais adorateurs, frère vérité, il y a une photo. Hein? Il y a une photo, frère Edwis. Donc, s'il parle de vrais adorateurs, il y a un faux adorateur. Mais il dit, l'heure vient où elle est déjà venue pour que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Il va parler de l'esprit et en vérité. Donc, ça, il faut qu'il y ait au cœur. Ça dit qu'il faut qu'on vienne purifier. Et troisièmement, il faut être loin. D'après Jean 4, verset 23. Éphésiens 2, verset 18. Éphésiens 5, verset 18 à 19. Vous êtes capable de continuer le livre là, quand même. Pour adorer, il faut être loin. Donc, mes bien-aimés, pour comprendre là, qu'on y a là, dans la purification temple, nous te voyons que, premièrement, tu as un obstacle qui t'a empêché mon Dieu adorer bon Dieu. Qu'on a leçon ça pour nous aujourd'hui, est-ce que alléluia pendant que je parle maintenant, est-ce que pas un obstacle dans vie qui empêche au bon Dieu gloire? Dans un moment solennel, est-ce qu'on sentit que c'est ça l'Éternel t'a de joindre? Est-ce que nourriture ça va balia? Est-ce qu'on sentit les agréable? Alléluia. C'est nous qui chantons pour dire tout miracle qui a empêché moi gloire, c'est pour tomber. C'est-à-dire, tout miracle qui t'empêche de monter dans vraie adoration, c'est pour y tomber. C'est-à-dire, non seulement adoration est capable de mélanger, y a des feuilles, y a pas pour te fuir, y a pas sortir dans quelque sincère, pas sortir dans quelque qui propre, mais qu'on y a là. Donc si toutefois pas sortir dans quelque propre, dans quelque sincère, c'est parce que y a certaines de choses qui n'en vous qui fait obstacle avec adoration que vous voulez monter dans l'Éternel là. Parce que c'est ça. Et l'Éternel, qu'on y a la même maintenant, pour que, amen oui, adoration monte, qu'on bagaille qui doit être fait. Alléluia. Faut que temple purifié. Amen l'église là. Amen l'église là. Faut que temple purifié. Faut que temple nettoyé. Maintenant, à vous maintenant, est-ce qu'on pas qu'on bagaille qui fait obstacle? Adoration que vous voulez bailler, qu'on t'a donné bailler à l'Éternel. Est-ce qu'on sentit adoration qui va profiter l'Éternel? Là, il sortit dans qui est sincère, il sortit dans qui est droit. Est-ce qu'on pas senti qu'il y a un bagage qui fait obstacle avec adoration? À réfléchir. C'est ça qui fait que c'est pas pour sans raison que t'es libre pour même tout à l'heure. Et vous allez comprendre, lorsque je dis thème qui a contourné deux événements, d'après Flash le Seigneur Bam, c'est la vraie adoration. Et vraie adoration, donc qui doit chita premièrement, à travers le premier événement, qui doit chita sur la sincérité et qui doit chita sur l'honnêteté. Amen, l'église là. Pas venir faire gros prélat et puis vous pas grand rien dedans. Pas venir faire belle marée tête et puis pas et pas. Où les gens passent pas une plein bain et pourtant les endroits là pour qu'on fait piment dans les dents et vous qui t'en voulez courir non frère même j'ai dit de la source c'est ça d'où ça amen d'église là il soit servi bon Dieu à droite c'est bon Dieu à honnête petit. Parce que le texte apprend nous dans Romains chapitre 12. Dans Romains chapitre 12, verset 1er. Donc, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et cela sera de votre part un culte raisonnable. Et deuxième bagaille, vraie adoration, nous yon, lui doit chita, mes bien-aimés, alléluia. Lui doit chita sur la piété, sur la droiture, d'après événement passé dans la purification. Vraie adoration, doit chita son cœur qui purifie.
Parce que même Jean t'a dit tout à l'heure, vrai adorateur, il est adoré en esprit et en vérité. Il a dit, pour adorer en esprit et en vérité, c'est-à-dire, ou de chita sur la parole. Amen, l'église là. Ou de chita sur la parole. Et en esprit, c'est-à-dire, ou de connecter. L'esprit bon Dieu doit être là. Et tout le monde qui va gagner cet esprit, pas pour bon Dieu. Qu'on va faire. Amen, l'église là. Amen, l'église, c'est la parole de Dieu. Donc tout le monde qui bagaille Saint-Esprit ou pourquoi pour bon Dieu ou pourquoi appartient à l'Éternel. Alléluia. Bon Dieu béni. Donc ces deux événements majeurs ça yo. C'est la malédiction du figuier, la purification du temple. Et rapidement, il y a d'autres événements. Et troisièmement, il y a l'indignation des officiers du temple après ça Jésus saute fait. Est-ce que nous là? Ils étaient indignés. C'est le troisième bagage qui passait non, lundi. Parce qu'après Jésus fin battu, chassé dans le temple. C'est ton bon Dieu là pour nous adorer. Nous même nous tourner comme une caverne de voleurs. Je suis chassé. Je sentis ma parole avec un monde dans la caille. Ou crier pour adorer. Ah. Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un. Bon Dieu dit pour me créer, c'est pour adorer. Mais on même servir avec corps pour faire l'autre bagaille. Pas oublier moi dit encore. L'Éternel dit pour me te créer, c'est pour adorer. Parce que bon Dieu créer, c'est pour manifester gloire, c'est pour faire gloire à travers vous. Bon Dieu bénit l'église là. C'est pour gloire, bon Dieu, manifester à travers vous-même. C'est comme si nous t'a dit, frère Maxime, c'est l'objectif principal de Dieu. Créer pour adorer. Créer pour louer. Oui, c'est l'objectif principal. Vous êtes créé pour sa gloire. Ou créé pour gloire, mon Dieu. Est-ce que soit pour offrir l'Éternel là, c'est soit t'adorer offrir? Est-ce que soit bâche de jour d'IA, c'est ça le doit être vrai? C'est comme si nous t'adorons, est-ce que mon Dieu est satisfait de vous-même matin à soir? C'est à vous, moi-même, ma prière pendant là. Est-ce que là? Est-ce que l'adoration me satisfait au l'Éternel? Est-ce que, oh, alléluia! Est-ce que thème satisfait l'Éternel? Est-ce que la vie me satisfait au l'Éternel? Est-ce que me combler attente ou yo? Parce qu'en plus fois, ne pas combler attente bon Dieu et puis n'attendre l'Éternel fait ceci, fait cela. Ou qu'a fait réflexion ça avec moi, hein? Ou qu'a fait prier ça, oui, pendant attendre maintenant. Dans un moment silence ça, dans un moment solennel ça. Est-ce qu'on satisfait que bon Dieu? Est-ce que l'objectif principal, raison d'être qu'il faut vivre là, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que gloire bon Dieu manifester à travers vous-même? Est-ce qu'on fait gloire bon Dieu manifester la caille là? Alléluia. Oui, je parle à quelqu'un. Je parle ce soir. Est-ce que la gloire de Dieu côtoyer dans la rivière? Alléluia. Est-ce que la gloire de Dieu côtoyer dans le sentier de travail là, lui manifester à travers vous-même? Est-ce que la gloire de Dieu côtoyer dans le marché? Côtoyer, côté pas connaît. Est-ce qu'on quitte le manifester? Est-ce que à travers vous, mon ta vin converti? Est-ce que à travers vous, mon cap quitté péché? Est-ce que à travers vous, mon cap libéré? Parce que vous êtes créé pour sa gloire. Amen. Oui, vous êtes créé pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on répond avec exigence, mon Dieu? Est-ce qu'on répond avec exigence? Au Saint-Esprit. Est-ce qu'on répond? Parce que temple, l'été là, c'est pour. Aïe. Seigneur, soyez à nous voici. Avec lumière de parole au Seigneur, nous devons comprendre en pile foi. Santi à soyez, que vous voyez un cœur nouveau.
le baptême d'en haut, un cœur de feu, de feu. Libérez le cœur, petit. Aïe, aïe, aïe. Libérez, lâchez, lâchez, lâchez. C'est le cœur qui peut monter dans l'éveil. Alléluia. Alléluia. Non, élevé. Alléluia. Alléluia. Il y a un peu monter. On a puissant de Jésus-Christ. On a puissant de Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe. C'est demain. Alléluia. Libère maintenant. On a puissant de Jésus-Christ. Je relâche l'esprit de la libération. Amen, alléluia. Libération. Que tu sois, aïe, aïe, aïe. Je déclare que tu sois libéré. Que tu sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Je déclare ce soir que mon Dieu possède. Alléluia. Que l'esprit, mon Dieu, possède. Dans l'esprit, qu'elle possède. Dans le corps, qu'elle a vous conservé. Qu'elle a vous conservé. Qu'elle a vous conservé. Je déclare à soi. C'est pour vous conserver. C'est pour vous de la voix soya. Amen. Alléluia. Mais déclarer. C'est pour vous révolter contre tout. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Fais mes yeux. C'est pour à travers vous. Que mon cap monte dans l'autre dimension. Que mon Dieu serré au tout près. Que mon Dieu conserve au là. Tes mots de la fin. Pour soya. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu garde. Vous.